grand fort et balèze, n'empêche qu'il me casse les pieds. J'en peux plus des fois où il ronfle, abâchi devant la télé. Sa bande de copains me gonfle, faut dire qu'ils sont pas très futés. J'oubliais, il raffole des soirées de football que je déteste par-dessus tout. Moi c'est le rock'n'roll, Saint-Tropez, c'est une folle qui me font craquer et je l'avoue. Avec un peu de chance, mes atouts de naissance changeront ma vie du tout au tout. Il me tape sur les nerfs, les tiques, 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 ce mec là m'exaspère, les tiques, 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 tiques. Quand je vais sortir pour mon anniversaire, il me répond qu'il est trop fatigué. Il fait décidément tout pour me plaire, ce mec est une calamité. Chérie, qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Comme d'habitude. Je sens que je vais me barrer, ça va pas traîner. Il me tape sur les nerfs, et tic et tic et tic et tic et tic et tac. Ce mec là m'exaspère, et tic et tic et tic et tic et tic et tac. Je n'en peux plus de ses regards de braise, il ne pense qu'à me déshabiller. Il le fait très bien entre parenthèses, mais ça c'est un autre sujet. Il fait pas un pas sans sa mère, qui est là pour le consoler. Qui fait toujours des commentaires sur ma façon de m'habiller. À vrai dire, je suis sûre qu'elle lui met du bromure dans son bol de café le matin. Qu'elle lui prend sa voiture chaque fois qu'il me jure qu'il m'emmènera faire les magasins. Mais le pire, le plus dur, ça oui je vous assure, c'est qu'il est vraiment pire qu'un gamin. Il me tape sur les nerfs, et tic et tic et tic.